Vous savez, les gens qui partagent les pages, les infos des pages de Facebook, les gens qui se connaissent, les gens qui vivent dans la même société, ce sont les gens qui peuvent s'offenser, qui peuvent s'entraider, qui peuvent se compléter. Où ne t'en rien à animer Facebook, Mick? Où ne t'en rien à animer Facebook, le monde que nous vivons aujourd'hui, aucun ange ne descendra du ciel, aucun autre prophète ne descendra du ciel pour nous sauver, pour nous aider. Comment la nous diffère pour que nous nous construisons, pour que nous nous enseignons, pour que nous nous motivons, pour que nous nous unissions, pour que nous nous réconcilions. C'est le mensonge qui nous détruit aujourd'hui. Et Satan, il est menteur. Et ses activités, il les produit entre nous, c'est-à-dire il se personnifie. Et nous devenons les outils de Satan. C'est pourquoi aujourd'hui, le mal est en train de s'empirer. Dunia Barkana. Mouni Barkana. Vous savez, laissez-moi vous faire entendre dire ce message aux gens qui se disent riches, qui croient qu'ils sont riches aujourd'hui, qui sont au pouvoir. Laissez-les, ils n'ont qu'à vivre de la vanité et de l'orgueil du pouvoir et de la richesse. Faites-les entendre, faites-les croire, faites-les comprendre que la vie c'est comme ça, c'est à tour de rôle. Et Tina, l'enfant de l'homme pauvre, l'enfant de ton prochain peut être riche que tes enfants, peut avoir le pouvoir mieux que tes enfants. Il y a beaucoup de sous-groupes aujourd'hui, très spécialement chez nous en Afrique, il y a un groupe qui créé des enfants ressortissants de Tigui, de Tabossi, voire même des enfants de la cité ingénieure, des fils des ingénieurs. Tout ça, c'est bon à voir. Les gens qui se côtoient ensemble, c'est donc des bonnes idées, parce que c'est des bons comprendre. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Vivons de tout ce que nous voulons, ne soyons pas complexés. Vivons humainement. Dieu nous a créés, il nous a destinés à être les enfants d'une même ville, d'une même société, pour qu'on se complète, pour qu'on s'entraide, pour qu'on devienne des frères. C'est pourquoi vous voyez les enfants de Frère, nous continuons à parler, à mettre les photos des gens, et à inviter les gens à se joindre à nous, de par-ci, par-là, pour que nous soyons les bons fruits de notre ville qui nous a vu naître, qui nous a fait grandir. Le chemin est long, parce que très facilement, la fondation a été détruite. Vous connaissez l'usine de Fria, ce qu'a été. C'est l'usine mère de la Guinée, c'est l'usine qui a donné tout comme économie à ce pays-là. C'est l'image de ce pays, l'usine de Fria. Aujourd'hui, on sait ce qu'est devenu l'usine aujourd'hui. Comment aujourd'hui la jeunesse de Fria vit. Comment nous, aujourd'hui, les nouveaux parents d'élèves, des enfants, des parents des enfants, comment ils vivent aujourd'hui en Afrique? Plus de dignité. Et on sait pourquoi. Mais bon, beaucoup de personnes, quand moi je décris, moi c'est à cause de ma ville natale de Fria et à cause de la politique qu'on utilise chez nous que je suis contre ce régime et je suis contre ce régime. Je m'engage à être dans ce cadre politique par conviction, pas par affinité, et non pas par les émotions. Je ne suis pas là pour faire la guerre à quelqu'un, je ne suis pas là dans un sens haineux, non. Et je sais que beaucoup de personnes me disent, pour qu'il y ait tu as du temps. Dans la vie, chacun a sa conviction. Ne vous exprimez pas, ne vous initiez pas, ne vous motivez pas, ne vous élevez pas, ne vous dites pas la vérité, ne vous conseillez pas. Quelqu'un viendra du ciel comme la pluie pour changer votre vie. Moi, je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de personne. Je sais que vous n'avez pas le. Lorsque ma conscience ne me reproche de rien, et que je sais que je suis en bonne cohabitation avec le Saint-Esprit, avec Dieu sur ce que je dis, moi, ça me va. Je n'ai pas besoin d'être aimé. Quand Dieu aime ce que je dis, je ne suis pas parfait, mais je fais en sorte que
ce que je fais dans mes activités, que je ne sois pas nuisible pour les autres, que je ne détruis pas la vie des autres, que je ne sois pas jaloux et que je n'ai pas un esprit de vengeance. Je suis contre le comportement. Que ce comportement vienne de n'importe quelle personne, je décrirai quand c'est négatif, quand c'est destructif pour ma société. Je suis contre ce régime. Parce que ce régime est un régime mafieux, meurtrier, méchant, égoïste, ingrat. Et je décrirai tant que je le verrai. Peu importe que ce soit mon père, ma mère, ma soeur, qui soit dans ce régime. Je n'interdis à personne de travailler avec ce régime. Si vous gagnez votre pain, peu importe. Je ne me suis pas mis dans la politique pour forger l'esprit de haine et de colère et de vengeance. Mais je suis là pour donner ce que je peux donner, pour conseiller, pour faire savoir aux autres que Tina, nous sommes tous les gens, nous sommes tous les gens. Nous sommes tous les gens, nous sommes tous les Guinéens. Arrêtons d'être négatifs. Arrêtons de décrier, arrêtons de fuir la vérité. Partageons la vérité parce que ce pays n'a pas besoin d'avoir cet ensemble de pauvres, ce nombre de pauvres, c'est-à-dire cette pauvreté qui s'accentue tous les jours. Ce pays n'a pas besoin de ça. Rassurez-vous que nous avons besoin de faire la grande décision, de prendre la grande décision pour changer ces mauvais gestionnaires de ce pays. Permettez-moi de vous dire ceci. Parce que donnons-nous les mains. Il n'est pas dit qu'il n'y a pas d'autres personnes, il n'y a pas d'autres alternatives. Il y en a plein. Mais bon, ils n'ont pas de caractère. Ils n'ont pas de caractère. Bon, je disais, la première phase, là, je disais que il y a des gens qui n'ont pas de caractère. Ils n'ont pas de caractère, mais étant de Romains, ils n'osent pas dire la vérité, ils n'osent pas dénoncer. Nous prenons le risque pour parler. Le risque pour vous, pour le peuple, pour notre ville, pour la nation. Et à même on a dit, il ne connaît pas bien, il ne dit pas choses, il parle assez minutique. Peu importe. Si toi tu sais communiquer, apporte-nous tes idées pour que Moutanga fasse. Parce que avoir l'audacité de dire la vérité, oser même faire face à un régime comme ça, meurtrier, mais c'est un don de Dieu. C'est un courage infernal. Il m'a sous dit. Tu sais, quand tu as des opinions, tu as des idées et que tu ne les donnes pas, tu es vite idée, alors ça n'a pas de sens. Donc si tu veux que tu sois doté de sens, que le peuple pense que tu as un sens, il faut mettre Biraba. Nous, on va continuer à combattre. Le peu que nous pouvons, on en fait la main. C'est bon, c'est pas grave, c'est une question de choix. Et on n'invite pas aux gens à accepter ce que nous disons. Mais de toutes les manières, Moufani n'a en coulon. L'intention que nous avons, la bonne intention pour ce peuple, pour la justice, pour la vérité, on donnera cela. Et il faut que autant enfants n'ont pas fallu qu'il fasse autant d'argent que nous. Alors venez nous aider. Benoural Dora, vous êtes les plus, c'est-à-dire les plus négatifs. Autant en voyant MSM, vous voyez nos numéros de téléphone. Vous n'encouragez pas, vous n'apportez rien, vous n'osez pas faire face parce que vous êtes là, sauf jeu à l'hypocrisie. Vous êtes des autres formes. Vous avez une forme d'hypocrisie dans les. Nous sommes en train de faire des choses. Bon, n'écoute pas ça. Vous savez, comme je vous dis, on est rentré dans l'heure du bilan. L'heure du bilan a sonné. Gouvernement Alpha, en Amérique, a fait crin. Mais on a un bras fort. Ça, c'est le jeu politique. C'est une honte pour les procureurs guinéens. Il va en Amérique, et Alpha est en train de faire la politique personnelle. Alpha, tout ce qu'il fait, c'est pour lui. Il prouve que la justice guinéenne n'a pas de sens. Et tant que moi, j'étais ma femme, Alpha, attends, il se libère. Gloire à Dieu, on va continuer à bousculer pour que tous les prisonniers soient libérés. Mais c'est une honte pour la justice guinéenne. Mais au barato, et nous décisions d'abord les mauvais procureurs, la sort défense, les militaires achetés, ils sont sous. Et Alpha, continuons, il laissera tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, le pays est coincé, il faut dialoguer, il faut accepter ce que l'opposition réclame. Donc, l'heure du bilan a sonné. Par exemple, Mouno à Fria, maintenant, Fria est une ville qui promet, car la ville, à travers le labeur de ses travailleurs, a soutenu pendant 4 décennies le gouvernement guinéen. A soutenu pendant 4 décennies l'économie guinéenne. Fria est une ressource, c'est-à-dire intarissable. Fria est une ressource intéressable en beauté, en bonté, en talent, en qualité. Parce que Fria a formé trop. La première usine en terre africaine, troisième dans le monde, attention, donc à partir de ces expériences, de ces bonnes formations, aujourd'hui, les Friakas ne doivent plus compter sur l'usine.
Un exemple, Eugène Tobalan, et pendant ces mois de crise, on a vu comment Fouya était. C'est-à-dire qu'il y a fini d'autres, c'est-à-dire deux potoirs des âmes. Parce que les familles, les divisions, les divorces, beaucoup de monde, les stress. Parce que il y a quand même un. Donc il est temps aujourd'hui de reconstruire cette ville, de construire l'avenir de la ville, indépendamment de l'usine. C'est pourquoi nous apportons des initiatives, des idées, des bonnes idées. Moi, il y en a eu, quiconque a quelque chose à offrir, on accompagne cela, on grandit cela, pour qu'on apprenne à vivre sans l'usine. C'est-à-dire en se frayant un nouveau chemin. Et ce nouveau chemin-là, c'est venu partout dépend de l'usine. Parce que l'usine-là, l'on dépend mal des moments, si on a d'autres entrées d'argent, s'il y a d'autres possibilités. Parce qu'on ne peut pas continuer à utiliser nos frères qui travaillent aujourd'hui là-bas comme si c'était des animaux. Et l'usine ne vient pas encore régulariser la situation. Syndicat, assurance, les gens, ce n'est pas la peine. Il faut qu'on ait, c'est pourquoi je n'ai jamais aimé le gouvernement guinéen. C'est des irresponsabilités et puis ça n'a pas coopéré, ils n'ont pas, c'est pas la peine. Vous savez, les jeunes sont désespérés. Mais l'espoir est permis tant qu'on vit. On a compte fini. Lorsqu'on défend mal l'idée, on pense qu'on va faire mal au mana. Regardez nos députés, députés d'enfants, les députés qu'on fait élire comme ça, ils m'ont mon pour aller défendre la cause de Fria devant l'Assemblée. Et moi, c'est leur tête où on a fait. Non, il y a un mafalama. Non, dans l'assemblée, il y a un mafalama. Mais non, il y a un mafalama. Le préfet, ce sont les choisis du président. Mais on t'en va en temps. Il faut qu'on ait un moteur qui défend les causes de Fria à tout moment. Et les femmes sont désemparées à cause de la crise. Et elles sont vouées aujourd'hui à l'humiliation. C'est-à-dire que subissent leur époux à l'usine aujourd'hui. Mais aussi à la livraison indigne de leur corps. C'est-à-dire dans une autre forme de prostitution. Et c'est dommage, après avoir eu tout c'était le meilleur niveau d'éducation, nous les enfants de Fria, après avoir eu le meilleur exemple de vie, et qu'on se voit tristement, qu'on voit cette ville aujourd'hui à un état très triste, et un état très honteux, très honteux. Mais moi je veux dire aujourd'hui que Fria est en train de subir une vengeance. À la télé, il est en train de subir une vengeance. C'est un manque de moi. Quand il est en train de venir, il est. Mais j'ai pris note par rapport à ça. J'ai pris note par rapport à ça. Voilà. J'ai pris note par rapport à ça. Il est en train de subir une vengeance d'une pierre deux coups. Je vais voir la première vengeance d'abord. Le premier coup, c'est par ses propres fils irresponsables. Ses profits inconscients, les nouveaux soi-disant riches, les nouveaux soi-disant stables financiers et qui viennent à Fria pour prendre les avantages sur leurs frères. Et les frères qui ont subi aujourd'hui une pauvreté imprévue, une pauvreté involontaire, une pauvreté subite. Parce que Fria qui est mon père, le Fira, il m'a fait que nous. Fria, on n'était pas riche, mais on enviait. Personne. Le minimum, on vivait de ça. En tout cas, on nous l'imania. On nous mourra. On nous blanche, on mourra. Même si aujourd'hui, il y a les différents groupes aujourd'hui. Parce que c'était des personnes, même les nouveaux les nouveaux riches là. Pour nous. Et nous, on a été guinés dans les râteaux. Parce qu'aujourd'hui, ils ont une petite entrée. Ça aussi, c'est pas parmi eux. À la ramarée, la chance est venue dans leurs mains. Et papa, monsieur, on va périr là. Ils vont venir. Ils vont venir. Ils vont venir. Et Bori Rumira, et Bori Raginira, et Bori Radira, ils font du n'importe quoi. Et tout va accès à toi. Au lieu de travailler pour les causes nobles, il faut faire ma bridine, il y a une capitale de la prostitution. Le partout, je vais dire, tourne la tour du rôle. Il va bérémine Rouluninara. Je pensais que ça devait leur donner l'idée d'éducation pour élever les gens, pour encourager, c'est-à-dire la jeunesse. Pour ça, il y a une fria. Mais il fallait 5 000, 2 000. Mais il m'a dit, il m'a dit, il tantôt fait un avantage dans ton goût. Parce que Roro, il m'a dit, tout ça, il m'a dit, il va bien venir Fria qui là. Mais nous, Fria, c'est un peu mieux de tout. C'est parce que c'est mieux, c'est mieux. Donc les femmes se livrent comme ça, à côté, on a suite à son démarrer. Parce que si on a changé les salaires, on a diminué les salaires, les conditions ont changé, il faut nous menacer le son. Il y a une autre forme de position que Fria dit, qui est en marabama, et c'est beau de nous connaître. Les nouvelles mamans
les petites filles, nanara. Et c'est eux qui l'organisent. Ils sont dans le régime, c'est le gouvernement. Parce qu'il y a facilité les talents. Et t'en as un saut, et t'en as un manien de panirato, t'en as un manien de pénédérato. N'en avait pas de fouillato, et t'en as un fouillage grimé. Et moi, il y a un dit voilà. Il n'a pas la éconatéra. Mais est-ce qu'il n'a pas fait un mec? Le deuxième coup, c'est quoi? Vous savez, la deuxième vengeance, c'est quoi? Parce que Fria pèse très peu sur l'échiquier politique national. Et la ville de Fria fut toujours détachée de la politique, du gouvernement. Fria n'est pas politique. Fria qui, frère Fria dit, ils ne sont pas politiques. On n'a jamais connu ça. On n'a jamais connu ça. Et on sait que le gouvernement guinéen ou les politiques guinéennes, là, ils ne s'intéressent à Fria que pour les bénéfices attirés de l'exploitation minière. Et ils ne s'intéressent que pour avoir les bénéfices, c'est-à-dire la voix populaire qui garantisse, qui sécurise leur poste politique. Donc une fois, ils ont une autre forme de corruption, il faut y aller qui bribourg, il faut y aller qui mélanger, pour juste garantir leur poste. Et l'État guinéen, étant en tant que, comme ils ont signé le contrat avec l'usine, peu importe ce que les habitants de Fria, comment ils vivent ou pas, étant l'intérêt en tant que, il faut y aller qui est en panique en réalité, bien mon index. Non, je ne vais jamais aimer ce gouvernement-là. Parce qu'il faut défendre quand même les causes des citoyens du pays. Il faut défendre les causes des enfants de la ville, mais partout où il y a une industrie. Mais Monaco, le gouvernement, tout ce qu'ils savent, quand le contrat est signé, étant Kobenan, étant une entreprise de ville, c'est ce qui les intéresse. Et les politiques aussi qui viennent remplacer le gouvernement, ils vont faire, ils ne rentrent plus les bribourg pour avoir la voix du peuple, corrompre les gens pour qu'ils puissent garantir leur poste politique. Non, non, je ne peux pas être d'accord avec ça. Non, il y a un enfant qui est mauvais par rapport à ça. Mais je vais vous dire, ce n'est pas un mal. Quand on a quelqu'un dans ce pouvoir-là, à Fifirama. Mais ce qui est mal, c'est que Mikiri n'a pas la fois à temps. Il y a un fois à temps, il y a un cas de crime qui est un crime à Fidara. Afriana Malima. Afriana Malima, il n'y a pas de peau, Fria. Regardez, j'ai mon ami Foura Fambiriti qui est à Fria, je ne sais pas. Comme une personne, il a employé. Ou à mon égard, il y a un peu de temps. Quand il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Donc c'est pourquoi nous invitons les enfants à créer une synergie. Travailler ensemble pour pouvoir créer d'autres alternatives. À côté, qu'on ne dépend pas tout de l'usine là. Moi, je suis venu à la base. Vous savez, ils ont eu la chance d'avoir cette facilité d'argent. Mais ils ne sont pas riches en initiative. Donc, quand on a fait des films, il y a un accès d'argent facile. Quand on a fait des films, il y a un plein d'initiatives. Ou bien, il y a des gens accompagnez-vous, complétez-vous. Au lieu de jouer à cet esprit de complexe, parce que mangé il pense que quoi bien qu'il a appelé ma borogne crinao et kobi il me mange cela même il n'a pas l'air de me battre tant n'a pas appelé mes nyari pour il sera crinao. Tu penses que tu es sur la même direction, la bonne? Non, ou bien il kobi qu'il a appelé ma femme il me tente ma parce qu'il a appelé ma ta dinera et t'as encore ma femme et au nom de la mienne. Donc les deux là, il a si il continue avec les mêmes comportements, c'est que qui s'assemble sur les sangs, il est donc, il y a un peu de temps, 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 parce que l'argent se trouve dans les mains du gouvernement aujourd'hui. Si on n'allait pas pouvoir faire les collectes d'argent pour créer des entreprises, pour créer de l'emploi à Fria, faire un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Donc, mon temps, on a une certitude à Ouya. Il y a un peu de temps, on va continuer à motiver. On va l'imaner à son moyen de temps. On va l'imaner à son moyen de temps. Alors, on va l'imaner à son moyen de temps pour le cas temporaire. Parce que, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. C'est un décret. En masse, on va l'imaner. Donc des petits égoïstes qui tournent autour des privilégiés aujourd'hui du gouvernement. On va vous aider à l'œil, on va vous répondre. Nous sommes dotés de bonnes initiatives. Nous sommes contre le système. Nous sommes contre les comportements, les mauvais comportements. Sinon, vraiment, nous allons promouvoir tous les enfants de Fria. Mais vous savez, comme nous sommes dans une piscine qui a longtemps, nous avons un terrain de basket à longtemps, nous avons un ballon au Nyama. Des personnes, c'est-à-dire qui n'ont pas colonisé, tant qu'on a sauté,
frère, mes frères, ma soeur, ou ma kinikini singe. Ou n'a pas papa kula nous wombouri babin salam y dikirin. Ou n'a pas kula nous wongen skam ma kiti dikirin. Vous savez, il faut qu'on soit très, très strict avec ça. Ou n'a pas kumba palamana soto. Parce que les nouveaux là, c'est des gens qui ont de la haine. Toi, il dit, nous n'a pas fait yakima. Parce que je vous dis, ni n'a pas fait yakima. Où est ma toto? Et n'a pas de bâtir. Est-ce que ça impacte à notre communauté, ça impacte dans notre société? Rien. Donc le nouveau préfet qui est venu, on a accueilli aujourd'hui, c'est-à-dire même si je suis contre ce régime, mais le préfet a fallu me le rendre. Et c'est salutaire. En attendant, tout ce qu'il fait, il a de bonnes initiatives. Donc le préfet a été tentant. On a été tentant parce qu'il est, il est nommé par le président. Il est bien accueilli pour, par cette ville-là. Quand il était tentant, on a été monoro. N'a pas entendu ma mot, mais pour le faire, puis à qui il est rendu. Mais donner de l'argent, ce n'est pas ce qui est important. Il faut être un bon contact, il faut être un bon stratégiste. Il faut créer quelque chose, des activités. Parce que le président de la DPJ, le président de la DPJ, il fait un bon travail. Et nous allons vous accompagner. Vous savez, les gens-là qui veulent que tout soit par eux. Donc, initiative Yomundeira. Aujourd'hui, on veut dans ce combat que nous mettons, nous faisons aujourd'hui. Hein. Et le sport, nous voulons initier les bonnes choses. On n'est pas là pour intégrer les vagabonds, pour supporter les vagabonds, pour financer les gens qui injurent les mamans des gens. Parce que nous, nous sommes là. On est d'accord, on peut avoir des désaccords, on a yaba ou mourir, puis on continue. On ne connaît pas la colère, on ne connaît pas la haine, on ne connaît pas la vengeance. Tout ce que nous connaissons, moutan, on se corrige, on se rectifie et la vie continue. Donc, ce n'est pas l'argent qui peut unir une ville, ce n'est pas le pouvoir qui peut unir une ville, ce sont les bonnes intentions, l'offre qu'on se donne. Kamara, khali minou neina la fille guérie. Mais quand il y a quelqu'un qui pense que tout doit être lui, donc on a des médiocres comme ça qui sont autour, je ne sais pas de quoi, continuez à injurier quand vous voulez. Nous allons lutter contre le régime là parce que c'est un régime mafieux, c'est un régime inutile, c'est un régime voleur, menteur. Ils ont tous les mauvais comportements parce que la Guinée n'a pas fait hier, mais la Guinée n'a pas fait non plus. Mais quand le professeur Barafa, mon professeur Mounabel Ramadi, il faut y aller. Il y a comme ma femme, ma belle, ça n'a rien à voir avec la politique. Et je vais vous dire quelque chose. On te doit Friaka, mais Friaka, il est UFDGiste, il est RPGiste, il est de l'UFR, il est du UFR, il est du RDIC, il est du n'importe quel, il est du PADES. C'est pas, mais il y a des gens qui pensent que il faut que tout le monde soit RPGiste ou bien UFDGiste. Ou... Non, mais vous êtes malade. Il faut qu'on ait une force. Il faut qu'on crée un blocus. Il faut qu'on passe, qu'on apprenne à faire la part des choses. On ne peut pas imposer à quelqu'un d'être de UFR, de UFDG ou bien de RPG. Non, on ne peut pas imposer ça. On ne sait pas au niveau politique de la tour. On pas mis fait voilà. Mais on a fait. Et puis la vanité que vous traînez comme ça là, au maquinikini, demain, il y a un rinrama, il y a un charito mané à ta place, au mieux que toi. Avant toi, il y a eu mieux que toi. Donc, vous t'en parlez, vous avez dit que 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 Jean-Louis, chef d'état-major, adjoint de la marine, ils sont en train de faire un Canada. Il y a Sil Bank qui a la présidence, conseiller de la présidence, et Mkanera Bama Fria. Il y a beaucoup de personnes. Il n'a mis où il y a. Vous savez, on a décision de ma fille, ma fille. On a blanc sur le bourreau. Il y a rien. Comment on blanc sur le bourreau. Maintenant, là, on a différé de nous. On ne pourra pas tenir en main le destin de notre ville et le destin des enfants de notre ville. C'est à prendre ou à laisser. Il y a tellement que je communique mal, que je parle mal, pour affaire mon écrit. Mais Fria, vous me dites que vous avez fait ça. Il n'y a pas de maraboule et de virage, mais vous avez tabardi, mais vous avez fait ça. Mais vous avez fait ça. Vous avez fait ça. Vous avez fait ça. Vous avez fait ça. Vous avez fait ça.
Mukuru inamfameti unguma. Marabu inamfameti unguma. Rien ne remove. Éducation yosotore qui n'ont aucun mérite dans tout unguma. Le progrès c'est pas un hasard. L'excellence c'est pas un hasard. Ce sont des mérites. Mais comme gouvernement un hasard nara. Nous n'engage pas les ministres dans lesquels nous sommes. Nous avons sous-sati à combattre les ministres dans lesquels nous sommes. C'est pourquoi la ligne n'avancera pas. Mais frère, dans ma vie, la politique, on ne va pas accepter ça là-bas. Chacun est libre d'avoir un parti politique. Mais frère, affirme mon nom d'un enfant. Maintenant, tant tant frère affirme, mon ira affirme, mon arrière n'est pas mal. Que Kaitoro mini politique yama. Si tu n'as pas les dollars, tu ne te mets pas dans la politique. La politique va avoir les dollars. Alors quand nous venons, nous venons libérer Kumbi. Il n'y a pas de filles, mais on n'a jamais vu ça à Fria. C'est maintenant qu'on voit ça à Fria. On n'a jamais vu qu'on met, on met une ville comme ça en otage par une seule personne. On n'a jamais entendu ça. Hein? Non, c'est fait écrit.